participer à la conférence des gouverneurs, une conférence à laquelle est associé les présidents des assemblées provinciales, plusieurs problèmes en province, il faudrait les régler. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est résolument engagé à essayer de trouver des solutions durables dans les provinces de la République démocratique du Congo. Il y en a 26 au total, mais dans chacune des provinces, il y a des problèmes spécifiques. Mais les problèmes les plus récurrents sont ces relations très tendues entre l'Assemblée, les assemblées provinciales et les gouverneurs correspondants. C'est toujours des déchéances de... la Cour constitutionnelle, c'est récurrent et ça gêne sensiblement les développements en province. Et pour cela, il faudrait des séances pédagogiques régulières, des échanges assez soutenus, conduits par le président de la République. Peut-être que ça pourrait arranger les choses et c'est dans cette optique que le président de la République a décidé d'agir. Il y a à peine quelques mois, il y avait une 7e session de conférence de gouverneurs ici à Kinshasa, dans la même salle. Et aujourd'hui, avant bien les fêtes de fin d'année, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a tenu à réunir les gouverneurs à Kinshasa dans cette 8e session et leurs présidents des assemblées provinciales pour échanger et discuter, voir dans quelle mesure, qu'est-ce qui peut être fait pour éviter que les problèmes qui gênent les développements dans nos provinces ne puissent perdurer et continuer à rendre difficile l'amélioration des conditions de vie des populations. On ne peut pas développer la République démocratique du Congo sans développer les provinces et serait inconcevable le développement de la RDC dit développement des provinces. Et ceux qui gèrent les provinces doivent le faire dans la quiétude la plus absolue et que les assemblées provinciales qui ont la responsabilité de contrôler les exécutifs provinciaux doivent bien être dans les dispositions de voir ces exécutifs agir et arriver à terme des programmes qu'ils présentent chaque fois qu'ils sont élus. Avant de l'être, bien entendu, chaque gouverneur et son co-listier présente un programme sur base duquel les députés provinciaux se prononcent et le vote comme gouverneur de province. Depuis hier, Giscard Koussema, le président de la République, a ouvert cette 8e session. Il y a eu des travaux qui ont mis ensemble les gouverneurs. Ils ont échangé entre eux, des expériences ont été partagées, mais aussi quelques informations sur la gouvernance certainement leur ont été données. Aujourd'hui, c'est la clôture. Il va y avoir certainement des discours à l'ordre du jour pour cette clôture. Mais en tout cas, est-ce que l'on peut espérer que les échanges qui ont eu lieu hier et la présence des présidents des assemblées provinciales à Kinshasa dans le cadre de cette 8e session de la conférence de gouverneurs, on peut penser à une accalmie dans les provinces et penser finalement au développement. Merci beaucoup, Eddy Tchala. L'objectif de ces assises de Kinshasa, de cette 8e session de la conférence de gouverneurs, était de pouvoir trouver des solutions pour mettre un terme à ces conflits cycliques et récurrents entre le gouverneur des provinces et leurs assemblées provinciales. Dans le discours inaugural d'hier, le chef de l'État, tout comme le gouverneur des provinces eux-mêmes, ont reconnu que l'instabilité dans la gouvernance des provinces est un frein au développement communautaire de 145 territoires de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi, depuis hier et aujourd'hui encore, les gouverneurs des provinces ont travaillé d'arrache-pied jusque très tard, en tout cas hier soir, organisé en poule pour voir dans quelle manière ils peuvent donner des réponses idoines à cette problématique qui avait été posée ici par le président de la République. Au total, 7 poules étaient organisées, des poules à travers lesquelles chacun des gouverneurs de province a procédé à la présentation des états des lieux. Le premier poule, par exemple, les poules Kivu, comprenez, les nord et sud Kivu, ainsi que la province du Maniema, les poules de, comprenez, le Katanga, donc poule 2 appelé Katanga, comprenez les gouverneurs du Haut-Katanga, du Haut-Lomami,
Lualaba et Tanganyika. Le pool oriental réunissait les gouverneurs de provinces de Bazouélé, Otouélé, Ituri et Tchopo. Le pool 4, appelé Kasaï, mettait ensemble des gouverneurs du Kasaï, celui du Kasaï central, du Kasaï oriental, Lomami et Sankuru. Le pool 5 était constitué des gouverneurs de la province de l'Équateur, du Kwilu et Maïndombe, c'est le pool Bandundu. Et puis le pool 6, dénommé Équateur, comprenait les gouverneurs de la Mongala, du Nord Ubangi, Sud Ubangi, Tchopa, Équateur. Et enfin, le pool 7, appelé Congo central et Kinshasa, regrouper le gouverneur du Congo central et celui du Kinshasa. Après ces travaux de présentation des états et de province, il y a eu l'intervention du Premier ministre, chef du gouvernement et vice-président de la conférence, parce que le président de la conférence des gouverneurs, c'est bel et bien le président de la République, chef de l'État. Il y a eu également l'intervention des membres du gouvernement et d'autres personnalités invitées. Il y avait, par exemple, l'incontournable Makolo Jibikilai, ancien gouverneur, un chevronné de l'administration. Il est actuellement coordonnateur national de la cellule technique d'appui à la décentralisation, le CETAD. Il y avait M. Philippe Ngwala Malemba, conseiller principal du chef de l'État et coordonnateur de la cellule d'appui au programme d'urgence intégré de développement communautaire. M. Dédé Moulocha Kachamankoy, lui, est le directeur général de la Caisse nationale de péréquation. Il avait également pris la parole avant la prise des paroles des membres du gouvernement, en premier les vice-premiers ministres, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation de services publics. Le ministre d'État, ministre du budget, Meboji Sangara, avait pris également la parole, tout comme son collègue du plan. Le ministre d'État, ministre du développement rural, le ministre d'État, ministre des infrastructures et travaux publics, le ministre des finances, ainsi que le ministre de la Santé publique, hygiène et prévention, tout comme le ministre de l'Industrie et la ministre, près le président de la République, avaient tous pris la parole devant les gouverneurs des provinces réunis ici. Donc ça, c'était la première journée de travail. Et aujourd'hui, Edith Chala, ces mêmes travaux se sont poursuivis en différentes commissions. Il y en a eu 3 au total. La première commission, c'est la commission politique, administrative, culturelle, juridique et sécuritaire. La deuxième commission, c'est la commission sociale, économique et développement. Et enfin, la troisième commission, c'était la commission reconstruction. Voilà comment les travaux se sont déroulés ici au Palais de la Nation à Kinshasa pour les comptes de la 8e session de la conférence des gouverneurs tenue ici à Kinshasa. C'est une conférence qui aurait pu se tenir dans la ville de Mbandaka, province de l'Équateur, et les chefs de l'État s'étaient expliqués par rapport aux raisons qui justifient cette délocalisation. Il s'agit simplement des exigences dictées par l'expansion de la pandémie à Covid-19. Il estime que Kinshasa, la capitale, est dotée au moins des infrastructures sanitaires pouvant assurer une prise en charge de toutes ces personnalités qui ont fait le déplacement de Kinshasa pour participer à ces travaux. Nous tenons à rappeler ici que pour des raisons justement sanitaires, l'accès a été limité ici au seul gouverneur de province, le vice-gouverneur de province ainsi que le président des assemblées provinciales. Et tous ont été soumis à un protocole sanitaire particulier. Des tests Covid sont organisés ici chaque jour. Ils l'ont fait hier, ce matin encore. Question de garantir la santé de tout le monde. Et voilà, okay, tout est bien qui est fini. Bien, d'ici quelques instants, le président de la République, chef de l'État et président de la conférence des gouverneurs, fera son entrée ici dans cette salle des congrès pour présider la cérémonie de clôture de cette 8e session de la conférence des gouverneurs.
Merci Giscard Koussema pour ces explications très fournies et très claires sur cette 8e session de la conférence de gouverneurs présidée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui en est de droit président. Nos téléspectateurs se sont donc enrichis de toutes ces informations qui se poursuivront certainement tout au long de ce direct que nous offrons aux téléspectateurs de la Radio-Télévision Nationale Congolaise. Nadine Toto, nous sommes dans la salle du congrès du Palais de la Nation où se tient la 8e session de la conférence des gouverneurs présidée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Matondo mingi pangi edichala ya cheleka inzoya ya balukutakanu ya kele na disolo ya nene peki nkulu ya nene awana insi na beto na bangfula meluta ya vandaka kisika wapesaka beto kimpuanza na bangwan kazi kasibubu inzoya ime yamba mingi penza bantuadisi ya bijunga makumi zole na sambanu ya Republi Demokratiki di Kongo masolo ya zibukaka mazono na lusakumunu ya beto mfumu wa insi Felix Antoine Seke Chilombo, ya kele mingi penza, lukutakanu ya mbalanana, ya cheleka, ya zonaka tuadisama mfula yayi na mbanda kabo la kimfumu ya Ekwator, kasi samu unamua bankakalakani ya kimbevu ya COVID-19, pe mingi penza bisadilu, wama unakatia fona mbote, ya tuadisama awa, samu nakutanina batuke kwiza, mingi kubaka kisika na kubaka kisika awa, ya cheleka, ntama mingi vya beto mfumo insi kekota samu na kutwadi sankinzi ya kusukisa lukutakanu ya mbalanana kina vukisa mingi penza bantwadi siya bijunga awa na insi na beto kasi mkudi ya diambu kina tubama na lukutakanu ya yakele mutinda kutula mayede kisika mosi samu na kutombula mingi penza ba territoire kama mosi na makumi iya na tano insi na beto cheleka beto mfumo insi bula kantonto na kutubati beto lenda tu bande mama kisika ntomosono ya kele kasi kana ntomosono ya kele vende mama kevwanda ve yandi lombaka na bantu adisi ya bijunga ya insi na beto bavwanda kisika mosi na lukuta kanu yai bayindula mbote mbote samu babika mambu ya imbi kina kuluta mingi penza na basamble provincial pe na guvernema provincio ya cheleka mvolangani ya kina kuluta mingi kuzonza bau na bau pe ba mambu ya imbi kina salati ba mambo ya kwenda na ntola vento mosono ya kwenda ya vanda mbote ve mingi penza na bijunga ya insi na beto ya kele kisika ya bake yindula mingi mingi mutindu ya kubwela mfumo insi maboko pamba ve bakele na bijunga samu na kumunisa kizizi ya mfumo insi Felix Antoine Tshiseke Chilombo bafo na bika ba mambo ya mbamba kuzonza ya kele ya kele nata mingi penza nito mosono ve na katia babwala ya kele na futusa babwala na manima bavwanda kisika mosi bayindula batala inki mutindu balenda nata ntomosono ya cheleka cheleka na bijunga pamba ve ntangu ya kuzonza ya kele diaka ve ntangu ya mavwanga ya kele ntangu sisebi yai ya kusosa mutindu ya kutombula kukota ntombula ya cheleka cheleka na bijunga na beto binufuna zabati kilumbu ya mazono bazengamaka na bimfuka ya mutindu na mutindu batalaka mambu ya politike batalaka mambu ya mukita batalaka mambu ya ntomosono mutindu bali na tomosi kutumbula mingi penza bijunga na kubaka ndinga na nkumbu ya bantuadisi ya bijunga yonso ya RDC mbuta pankras bongo nkoi ya ikele mingi penza ntuadisi ya ya mbanza boende ya chwapa ndendi lombaka na nkangu to na bantodisi ya bijunga bavwanda kisika mosi batuba ndinga mosi bavwanda na mabanza mosi samba mambu yonso ya kwenda na ntwala bosi mbuta chantini ngobila zodilaka banzenza kukwiza ya mbote na mbanza Kinshasa pia nizabisaka bauti basiyama mingi penza na kuvwanda kusadila bansiku ya bunke samuti kimbewa COVID-19 ya kele awa na mbanza Kinshasa ya uyina mantamu kena kwiza betuke munu na bifukula kukwiza ya beto mfumu wa insi Felix Antoine Tshisekedi Chilombo samu na kukanga mingi penza lukutakanu ya yambala nana kena fukisa bantuadisi ya bijunga yonso makumi zuri na sambano ya Republi Demokratiki di Kongo mampange ya duzole benifuna sabati na kubaka
Kandinga, Mbuta Pancras, Bongo Nkoi, Todisi Achuapa, Lombaka, Nanfumo ici, Inditala Mingi Penda, Diambu Yaba motion de censure, pe motion de méfiance, y'a quel ba mambu zole yina, kena kwami sati yana ba inzwa kinzonzi, e bijunga insinabeto, ba me katala iki mutindu, balenda soba ya usamu, ndemba mla cheleka cheleka ya vwanda, watu baka pe mingi diambu ya mbongo, baki vutu dilaka, bijunga, samu bijunga, ya kwenda nantwala, ya cheleka, ntama mingi ve, ba mambu yonso ke kwenda mutindu, ba me kubikila yao edichala. Merci Nadine Toto. Il est temps pour nous de dire que la paix est très indispensable pour que le développement soit amorcé dans toutes les provinces, à l'instar de quelques-unes où on observe une petite accalmie dans le Haut-Katanga par exemple. La question de la farine qui s'est posée avec récurrence a été résolue par l'engagement du gouverneur avec les planteurs, avec les mutuelles des agriculteurs, avec certains fermiers. Il a trouvé des solutions à cette question-là. Il n'est pas possible d'envisager une campagne de l'agriculture si on n'est pas sûr de la terminer. Alors, dans une province, comme toutes les provinces de la République démocratique du Congo d'ailleurs, sont pourvues d'un potentiel énorme dans le domaine de l'agriculture, ils peuvent bien se mobiliser pour fructifier et rentabiliser ce secteur. Mais pour cela, il faut des programmes, et pour avoir des programmes, il faut avoir du temps. Et quand on ne sait pas si demain on va continuer à être gouverneur, il est quasiment impossible d'entreprendre des projets qui s'inscrivent dans la durée. Et cette présence à Kinshasa de tous les gouverneurs dans le cadre de la 8e session de la conférence de gouverneurs est une occasion pour sensibiliser les uns et les autres. La présence des présidents des assemblées provinciale est une occasion de les sensibiliser sur la nécessité de revoir autrement leur procédé qui ne donne pas beaucoup de sérénité dans le travail de gouverneur. Chaque fois qu'il y a un petit détail, un député n'est pas content, une motion est votée et la déchéance est constatée et la province est en désarroi. On n'est pas à mesure de faire un programme ficeler à longue durée et voir les résultats des actions que l'on pose. Ça, c'est un problème sérieux, mais je crois qu'avec la journée d'hier, les interventions de différents membres du gouvernement, de plusieurs experts, les gouverneurs ont certainement reçu des nouvelles matières sur la gouvernance, mais que aussi les présidents des assemblées provinciales ont aussi reçu les éléments qui vont leur permettre d'assurer le contrôle de l'action des exécutifs provinciaux sans toutefois verser dans la sanction qui est toutefois négative dans diverses provinces et engendre des troubles qui sont contre le développement à tout point de vue. De toutes les interventions d'hier, la plus intéressante évidemment est celle du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, faisant l'état des lieux de province. Le chef de l'État a reconnu que l'instabilité au niveau de province, avec chiffres à l'appui, il a parlé de 14 provinces sur 26 qui connaissent une instabilité et dont les gouverneurs sont pratiquement éjectés par leurs assemblées provinciales. Et donc le président de la République qui a reconnu que cette instabilité est un frein au développement et donc il est difficile dans ces contextes de pouvoir implémenter sa vision au niveau de l'arrière-pays alors qu'il tient à mordicus au développement à partir de la base. Et à leur tour, les gouverneurs des provinces également sont revenus sur la même problématique pour dire que l'instabilité politique dans les provinces est la conséquence des 11 facteurs essentiels qu'ils ont énumérés. Le tout premier facteur, selon le gouverneur, c'est la lutte des positionnements des acteurs politiques nationaux visant à contrôler les provinces. Et donc, chacun des acteurs qui sont à partir de Kinshasa ici, soit-il ministre ou ancien ministre, député national ou n'importe quel, veut tirer des ficelles, il veut avoir
la même mise sur sa province, ça c'est la première cause. L'autre raison, la deuxième, c'est la résistance de certains acteurs politiques réfractaires au changement politique imprimé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et donc, cela est également une source d'instabilité. Les manques des ressources financières pour la mise en œuvre des actions prédéfinies, surtout dans les provinces moins nanties, est une raison majeure également qui justifie cette instabilité. Le paiement sélectif et sporadique de la rétrocession due aux institutions provinciales permettant de payer des émoluments des exécutifs provinciaux est une cause majeure, sinon la principale d'ailleurs, parce que chaque fois qu'un gouverneur est éjecté, la principale raison c'est soit l'impaiement, la mégestion, le détournement des moyens. Il y a également les versements sporadiques des frais de fonctionnement sur fond de disparité qui semblent ne s'appuyer sur aucun critère objectif, mais plutôt sur des variables politiques ou régionales. Ce sont les propres termes des gouverneurs de province. Le paiement sélectif et sporadique du crédit d'investissement et les non-paiements des fonds secrets de recherche constituent une cause également de cette instabilité, tout comme la non-opérationnalité de la Caisse nationale des péréquations, parce que, à l'initiative du chef de l'État, effectivement, il avait été envisagé une caisse pouvant permettre des services de fonds communs à dispatcher entre toutes les provinces pour leur permettre de créer des projets, de pouvoir réaliser quelques grands projets. Les pouvoirs de contrôle exercés par les assemblées sur les gouverneurs et les ministres provinciaux a rapidement tourné au chantage parce que, armés de leur droit de vote, de censure du gouvernement provincial ou de défiance, effectivement, chaque fois, c'est à travers des motions de défiance ou de censure qu'un gouverneur est souvent à la barre, et on sait comment ça se termine. Généralement, c'est par un vote en défaveur du gouverneur. Et puis, ce sont les cours et tribunaux, et parfois, on se retrouve devant des situations où il y a deux institutions de l'État qui ont des positions diamétralement opposées. Vous avez un gouverneur de province qui est déchu, mais qui a un arrêt de la cour qui est en sa faveur, ou vice-versa. Et donc, cela est également un fait qui a été relevé. Et ça et là, dans nos provinces, les députés sont constamment poussés à l'égarement dans les querelles intestines, faisant ainsi tuer les majorités au fil de circonstances en fonction de leurs intérêts. Il y a également l'absence d'un statut de la fonction publique provinciale. Voilà quelques-unes des raisons, et le président de la République a voulu se servir de ces cadres pour harmoniser, justement parce qu'il voudrait qu'une gouvernance harmonieuse entre le gouverneur des provinces et leurs assemblées provinciales. Et nous pensons que les deux jours ici auront permis aux deux parties de pouvoir trouver des solutions idoines. Et dans leur suggestions qu'ils ont proposées au chef de l'État, il y a par exemple un moratoire sur l'usage de cette arme de destruction massive. Cela encore, c'est un terme fort de gouverneur de province. Donc s'il était possible de trouver un moratoire pour que pour le reste de la mandature, pour les 2 ans qui restent, qu'on laisse un peu le gouverneur libre avec cette question de motion de censure et motion de déviance, parce que beaucoup n'auront passé leur temps qu'à se justifier devant leurs assemblées provinciales. Donc il y a comme une espèce d'épée de Damoclès qui pèse sur les gouverneurs. Et dans ces circonstances-là, aucun gouverneur ne peut envisager un programme, ne fût-ce qu'à court terme, parce qu'il est là, mais aussitôt arrivé, il doit faire face à ces députés provinciaux, alors qu'eux, ils sont inamovibles. Hein. Il n'y a que la mort, en tout cas, qui peut prendre ces pouvoirs de législateur provincial. Et donc, ils estiment que les gouverneurs des provinces sont très vulnérables face aux assemblées provinciales. Voilà donc Eddy Tchala. Nous allons vous suivre ici en direct sur les antennes de la RTNC les différentes recommandations qui
sont issus de cette 8e session de la conférence des gouverneurs des provinces. 3 importantes prises de parole sont prévues. La toute première, évidemment, c'est la motion de soutien au président de la République. Donc les gouverneurs des provinces renouvellent leur loyauté au président de la République. Ils partagent sa vision et s'engagent justement à l'implémenter dans leur province. L'autre moment fort sera la locution du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur qui va devoir s'exprimer avant que le président de la République ne prenne la parole pour clôturer cette session. Voilà, Idi Tchala. Merci Giscard Koussema pour ces informations détaillées sur ce qui s'est passé, ce qui va se passer tout à l'heure. La motion de soutien au président de la République, ce sera le fait des gouverneurs. Le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur va faire un résumé de l'activité de cette 8e session de la conférence des gouverneurs. Et puis interviendra le mot de la clôture du président de la République sur cette session. Vous avez bien donc suivi que les gouverneurs eux-mêmes vivent la peur au ventre chaque jour qui passe parce que une motion peut surgir de nulle part et voir l'Assemblée provinciale voter pour cette motion-là et les démettre de leurs fonctions. C'est des efforts qui doivent être fournis pour épargner ces représentants du chef de l'État en province de ces mouvements récurrents de placement, déplacement, replacement des gouverneurs dans les provinces de la République démocratique du Congo. Le constituant va donc devoir réfléchir à nouveau pour voir dans quelle mesure mettre en place des mécanismes qui protègent les gouverneurs de ces motions intempestives, mais également qui maintiennent la possibilité pour les assemblées provinciales de contrôler rigoureusement les actions des exécutifs provinciaux. Ce sont des efforts, des réflexions qui doivent être menées. C'est à l'occasion de ce genre de rencontres régulières que des idées peuvent surgir, de bonnes perceptions du futur dans les relations entre les gouverneurs et les assemblées provinciales pour pouvoir travailler effectivement au développement de la République démocratique du Congo. Ce développement voulu partant de la base, c'est donc la responsabilité des gouverneurs de travailler sereinement pour impulser ce développement en mettant en œuvre la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. J'étais donc en train de donner un exemple parmi les provinces. Le chef de l'État a reconnu que sur les 26 provinces que compte la République démocratique du Congo, 14 étaient dans les troubles. N'imaginez pas que dans un environnement trouble, on puisse penser développement. Ça, ce n'est pas possible dans ce contexte-là. Alors, il n'y a que 12 provinces où on constate une certaine accalmie. Et effectivement, dans ces 12 provinces où il y a une certaine accalmie, il y a des idées de développement qui naissent, il y a des résultats palpables d'un développement à la base qui est soutenable, qui peut être encouragé. Et c'est là qui doit créer une émulation dans les autres provinces. Les problèmes posés par les différents gouverneurs qui ont été recoupés, que Giscard Koussema vous a résumé ici, il y a entre autres les influences des politiques depuis Kinshasa qui veulent avoir le contrôle de ce qui se passe en province. Le gouverneur acquis à leur cause et par eux, ils peuvent politiquement continuer à avoir la mainmise sur ce qui se passe en province. C'est un problème sérieux et il faudrait donc que le patriotisme guide les actions de chaque politique. Il n'est pas à Kinshasa pour gérer en province à travers des personnes qu'il pousse à la tête de la province. En réalité, ils ne vont pas gérer. Lui sera à Kinshasa en train de téléguider, en déphasage avec la réalité, mais en train de donner des ordres depuis Kinshasa. Et ça aussi est un frein effectif au développement en province. Et quand on est en déphasage avec une telle personne, si le gouverneur essaie de s'émanciper, il est capable d'instrumentaliser un député provincial pour qu'une motion soit déposée à l'Assemblée provinciale et voir le gouverneur être démis de ses fonctions. C'est un ensemble de problèmes structurels qu'il faudrait revoir et je crois qu'au cours de ces réunions,
au cours de ces rencontres, des propositions sont faites. Et s'il faudra que des lois soient votées, que des lois soient revues et complétées, cela va être le cas. Mais le ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a la responsabilité de concevoir ces idées, de les organiser et proposer des normes au gouvernement pour qu'un projet allant dans ce sens-là soit proposé à l'Assemblée nationale, débattu et enrichi, afin d'épargner les provinces de ce genre d'instabilité quasi régulière. Et pendant que se déroulent ces travaux, Edith Chala, j'ai une pensée pour une personnalité. Il s'agit simplement de Carlin Zanzuka Sivita, ce jeune et dynamique gouverneur de la province du Nord-Kivu qui a implémenté également une vision de développement pour cette province malgré la situation sécuritaire volatile que connaît cette partie du pays. Les gouverneurs s'étaient forcés de faire de la ville de Goma, par exemple, la meilleure destination de la République démocratique du Congo. Et Goma reste la meilleure destination, une ville calme, des efforts très visibles, mais pour des raisons de l'état des sièges, donc son mandat a été mis en veilleuse, il garde son statut de gouverneur, mais il ne gouverne pas, il attend la fin de l'état des sièges pour qu'il récupère son impérium. C'est comme cela que le législateur a prévu les choses. Donc, ce n'est pas un gouverneur destitué, non, c'est le législateur qui a prévu ainsi. Donc, il attend la fin de l'état des sièges. Ça peut prendre le temps que ça prendra, mais il reste gouverneur. Il n'est pas encore gouverneur honoraire. Il garde encore son mandat et il pourrait le poursuivre si jamais l'état des sièges se termine avant cette mandature. Donc voilà un mot donc pour ces gouverneurs de province. Alors beaucoup de questions qui nous arrivent pour dire finalement qui est gouverneur de quelle province. Nous allons tenter, Edith Chala, de donner quelques réponses. La province de Bazouélé est représentée ici par Ruth Badouli Bangosa. Il est gouverneur intérimaire. La province de l'Équateur, représentée ici par Bolo Kobolumbu Bobo, gouverneur de province. Léo Katanga, c'est Kiabula Katujak qui est le gouverneur. Le Olomami est dirigé par un intérimaire. Il s'agit de Kabamba Ilunga Wabatame. La province du Bazouélé est dirigée par Baseane Mnanga Christophe. Celle de l'Ituri, c'est le lieutenant-colonel Luboya Kachama. Il est gouverneur militaire, la ville de Kinshasa. La province qui reste la province la plus peuplée, notre Floride en fait. Hein? La Floride de la RDC, en fait la province qui pèse dans l'échiquier électoral parce qu'ayant le plus grand nombre de votants et de la population active. Donc Kinshasa par Ngobila Mbaka Gentini, la province du Kasaï est représentée ici par Pieme Toutokot Dieudonné, la province du Kasaï central par Tarsis Kabatuswele Mbuyamba. Il est gouverneur intérimaire. La province du Kasaï oriental est aussi dirigée par un intérimaire, Longa Moussamba Jeanville. Un autre intérimaire également pour le Congo central, c'est Luemba Makoso Justin. Le gouverneur du Kwango est bel et bien Petit Tamata Jean-Marie. Il est ici dans cette salle, la province du Kulu. Itundala Asang Willy, gouverneur de province. Province de l'Omami, Mulumba Moudouandambou Edouard, il est également intérimaire. Les Lualaba, c'est dirigé de main de maître par Masuka Saini Fifi, qui est vice-gouverneur et gouverneur intérimaire. Maïndombe, c'est M. Bombaka Bokoso, qui est intérimaire.
Intérimaire également, M. Afani Idrissa Mangala pour la province du Maniema. Après, la Mangala est encore dirigée par un intérimaire. Il s'agit de Mongoulou Mundumbola Serge. Dans la province du Nord Kivu, c'est le lieutenant-colonel Ndima Constant qui est le gouverneur militaire. Dans la province du Nord Ubangi, un autre intérimaire, c'est Nzege Koloke Isato. Un autre intérimaire à la tête du Sankuru, Tchabilo Nkoto Paul. La province du Sud Kivu, c'est Teongwa Bijekasi qui est le gouverneur de province. Il est présent dans cette salle. Présent également Mambenze Jean-Claude, gouverneur du Sud Ubangi. Le Tanganyika, c'est encore un gouverneur, Samba Kayabalamu, qui est gouverneur intérimaire. Gouverneur intérimaire également Abibu Sakapela Maurice pour le compte de la Tchopo. Et puis la Tchopa qui est restée tout de même stable avec la présence de Bongo Nkoi Pakras. Il est d'ailleurs le porte-parole du collectif des gouverneurs. Voilà ce dont on parlait tout à l'heure. Hein. Vous avez remarqué qu'il y a beaucoup d'intérimaires à la tête de nos provinces. Il y a plus d'intérimaires d'ailleurs que des gouverneurs full, si on peut le dire ainsi. Donc c'est ça le signe d'instabilité. Et le président de la République voudrait mettre un terme à ces cycles d'instabilité et voudrait insuffler un nouveau vent entre le gouverneur de province et leurs assemblées provinciales. Et nous allons suivre ici, même dans son discours de clôture, l'orientation qu'il aura donnée parce qu'il tient au développement de la base, il tient à l'instabilité des provinces. Et donc, il n'est plus question que le gouverneur soit à la merci de leurs assemblées provinciales. Merci Giscard Kossema, Mike Godravel qui nous suit depuis Isiro dans la province du Haut-Uele. Nous fait remarquer qu'il est très content de suivre la radio-télévision nationale congolaise depuis Kinshasa où nous émettons et nous sommes dans la salle de congrès du Palais de la Nation où il se tient cette 8e session de la conférence de gouverneurs. Une conférence à laquelle participent également les présidents des assemblées provinciales des 26 provinces de la République démocratique du Congo, mais avec une spécificité, c'est que les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri sont sous état de siège et ce sont les gouverneurs militaires qui représentent ces provinces, leurs gouverneurs élus ayant été demandé d'observer la gestion militaire, faire son boulot pour redonner la sécurité aux populations de cette partie de la République démocratique du Congo. Nadine Toto. Chileka bampange luzolo betokele awa ntama mingi ve betokele ndina bifikula bamambu yonso keluta awa kasi benu funa zavati badisikulu tatu betokele na vingila yantete ya kevuanda kintwadi bantwadisi ya bijunga bakimonisa diaka luzolo na bau na mfumwa insi na kutubati bamekudia ndefi bavuanda bakivonda na manima ya mfumwa insi na yonso yandike sala sabu na Lusingu ya mbote ya nkangu ya République démocratique du Congo bake monisa dia kantola na bau pe bake bula fumwa insi maboko disikulu ya zole ya kevuanda disikulu ya mbuta Daniele Aselo Okito yandikele mingi penza kilandi ya mbuta yule kina tala mingi penza Lusingu ya bambanza awa na insi na beto ya mesu kavana ve ya ke beto ke vingila dia kadisikulu ya beto mfumwa insi kasi bangpange ya luzo ya benu funa zabati awa beto kele na wimonikisi toba ntuadisi ya bijunga makumi zole na sambanu ya insi na beto kasi benu funa zabati beto tangila beno awa beto kele na mama Ruth Badul yandikele
Ebele, Ntoadisi ya Kizunga ya Bazuele, Bosi na Kizunga ya Equateur, Betokele na Mbuta Bobo, Boloko, Bolumbu, Yandike na Ntoadisi ya Kizunga ya Equateur, Bosi Kizunga ya Okatanga, Betokele na Mbuta Jacques, Kiabula Katwe, Mingi Penza na Olomami, Betokele na Mbuta Kabamba Ilunga na Otuele, Betokele na Mbuta Christophe Baseane Nanga na Ituri, Binufuna Zabati, Ituri Penorkivu ya Kelebijunga Zole, ya Betofu Mwenye Sivwandisaka Diambu ya Etat de Siege, Samuna Kunwanisa, Mvotikisi, Kenamoni Sankangu Pasi, ya Cheleka, ya Melungisa, Mvula Kuluta, Makumi, Zole ya Mvimba, Bijunga Norkivu na Ituri, Kevonda Kanandemba Mave, na Luzolo ya Fumwa Isi Mutindu, ya Ndikina Kunwana, Samuna Kupesa Nkangu, Ndemba Mba ya Cheleka Cheleka, ya Ndivwandisaka, Mingi Penza, Bijunga ina baki na tuadisa ya usesebi yai na makesa betokele mingi penza na Kizunga ya Ituri betokele na Mbuta Mbutuke na kiake na tuadisa mamingi penza na Mbuta Johnny Lubo ya Kanshama na ndikele ntuadisi ya makesa kena tuadisa Kizunga ina Bosi na Kasai Central betoke na Mbuta Tarsise Kabatuswila na Kasai betoke na Mbuta PM ya Misuka Vanave na Chwapa betoke na tuadisi kena tuadisa Kizunga ina ya kele Mbuta Pankras Bongo Koi ya ndikele Awa ya ndikele Munisa mingi penza bantu adisi ya Bijunga yonso na lukutakanu ya mbalanana awa mingi penda na Palais de la Nation benifuna zabati mazono tangu yandi bakaka ndinga yandi dilaka samu luyalu nwana mvita ya kufutu dilaka bau mbongo kele nda salisa bau bata mbudisa bisalu mingi penda na kati ya Bijunga na bau yandi zabisa kati fumu wainsi kuwa bau samu tiba mambu ya ba motion to motion de censure pe ya méfiance ba mekatala ya umbote mbote pamba ve ya kena kwa misa tia mingi penza na kati ya badepite provincio pe bantuadisi ya Bijunga ina ya cheleka Mbuta Pankras Bongo Nkoi ya ndinde kena tuadisi ya mingi penza Kizunga ya Chwapa Bosi beto bekwe na tama ve na Kizunga ya Lualaba beto kele na mama Fifi Masuka ya ikena kunwa na samu bansiku ya mabangantalu ya zitiswama na kati kuna mingi penza mabangantalu talu ya fwa na pesa mambote mingi penza na nkangu sa mtiba nzenza bavanda na manima kasi nkangu nde batu antete bafuwa na sepela na bivuwa ya ntoto mfumu nzambi vangia ntoto mepesa beto na Kizunga ya Maindombe beto ke na Mbuta Bombala Bokoso Bosi na Manyema beto ke na Mbuta Afani Idrisa Mangala na Kizunga ya Mongala beto ke na Mbuta Serge Mungulu ya Misuka Vanave na Nord Kivu beto ke na Mbuta Constant Dima yandikele ntwadisi ya Kizunga ina pe yandikele ntwadisi ya Makesa yandikele ntwadisi ya Isnabe nani Kizunga ya Nord Kivu mingi penza bakele Makesa na kilandi nandi ya policier Bosi na Kasai Oriental betoke na mama Jeanne Longa Muswamba benifuna zabati na ntuka ya Sabala yai ya beto fumwa insi Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kesala njetolo mingi penza na Grand Kasai ya Luyandi Keluta na Kasai Oriental na Kasai Central pe na Kasai Occidental na Kasai Oriental mingi penza mama Jeanette Longa Muswamba yandike na tuadisa Kizunga ina bilumbu lutaka yanditambulaka na mbanza Mbujimai kuzieta kutala inki mutindu kina tuadisa mabisalu ya Chilengelu bisalu ya kubungisa mingi penza banzila yake ya kufua mifuna zabati Mbujimai kina kwa misama mingi na mabengi yandikwenda katala kana cheleka OVD kina sala bisalu na mutindu mosi ya mbote kana fuma isi mekuma kuna yandise pela na ntima na kutubati ya cheleka bisalu ya Chilengelu kina salama mbote. Na Kongo Central betoke na Mbuta Justin Luemba Bosi na Kizunga ya Kwango, betoke na Mbuta Jean-Marie Petit na Kizunga ya Kwilu, betoke na Mbuta Wili Ichundala ya cheleka ya kele mingi penza, bantuadisi ya Bijunga ya iba kele awa bake na Moni Sankangu na kacha lukuta kanu yi ya yi. Ntatu ya mfumo ya kele balukamu ke bakama awa na insi na beto
balukamu ke bakama awana isina beto na lukutakanu yai ya vonda balukutakanu ke zima tia ya cheleka ke kwa misa tia vekasi ke salati ba ntumwa yankangu ya bishunga na bantuadisi ya bishunga ba wakana ba vonda kisika mosi ba tambusa mingi penza bishunga na bilumbu ba mesala ya vonda kaka jambu ya kuzonda zonza ya makelele ba mesala ataki mamosi vea ilenda na tantumosu na cheleka cheleka na bakati ya bishunga jambu wina ya fuwa na manisa konso mutufona zaba kie kwa nandi mukele guverner kie kwa na munu ya kele plai mukele ntumo ya nkangu kie kwa na munu ya kele plai kasi jambu ya kusangisa mavuanga ya kina nata insi na beto na manima ba guverner ba kele batunde ba kina munisa tizisi ya mfumo insi na insi na bishunga ba fuwa na telama ba fuwa na nata ntumosu na cheleka cheleka na kati ya bishunga na bao pamba vena kati ya bishunga makumi zole na sambanu ba, kijunga kumi na iya kina mvualangani mambu kina kuenda Mbo TV kaka makelele na katikati tabau na ba gouverneur ko ba député provincial ya kina kupesa KSV ya kile mambu ya nsoni ya tele kanfumo isi kina nyonga na ntima na kutubati diambu ina ya fwa na manisa ya fwa na manisa ya fwa na suka pamba vese sebi ya diambu ya mvita ya kile diakave beto kina mfunu ya ntomosunu ya cheleka cheleka banda ba fwa na longuka ba fwa na tungina banda ba kalasi ya mbote ba longuka na mutindu mosi ya mbote pamba venta mamingi ve bilumbu lutaka cheleka beto mfumo isi tubaka ti malongi ya ntononu ya kele malongi ya ofele banda ba kota na malongi banda ba longuka samuti mbasi baonde ba unde ba ke tuadisa isi na beto kasika na makelele ya kele volangani ya kele pasi ke kota ya kesuka ve ya cheleka mpange luzolo beto kele awa mingi penza na yunza balukutakano awa na pale de la nation mutindu mosi ya pisilaka beto na ntononu ya kele na kinkulu na disolu ya nene kisali yai ya kele kisika bangwa kazi bapesaka beto kimpuanza ya cheleka mazono beto landaka na manima ya kusibula lukutakano ya mbalanana ya kina tuadisa kena vukisa mingi penda bantuadisi ya bijunga ya beto mfumo insi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kwenda katala sali ya nene bakena kubokila mingi penda sali ya le 24 janvier 2019 ya kele kisika ya ndi batu disaka nkinza kupesa sana mingi penza kifumu na fumu insi ya ntama ya ndi kwenda katala sali ya kimutindu mame bongisa yao ya kele na kupesa kese pelu kumu mingi penza na insi na beto ntama mingi vea beto fumu insi kisala nzie tolo mingi penza na Grand Kasai samu na kutala luzingu ya nkangu ya chele kankangu ya Grand Kasai bao yoso batela bametelama bamezibula ntima bamezibula maboko samu na kuyamba ya beto fumu insi na ntuka ya sabala yai et que les dibanza mosi yambote Edith Chala. Merci Nadine Toto pour toutes ces informations. Le chef de l'État qui est le président de cette session ou qui est le président de la conférence de gouverneurs sera dans quelques instants ici dans cette salle pour procéder à la clôture de cette 8e session qui se tient à Kinshasa alors qu'elle était prévue à l'Équateur, les questions de Covid-19 ayant obligé la tenue de cette conférence, cette 8e session ici à Kinshasa. Le président de la République qui d'ailleurs, Giscard Koussema, va faire le déplacement du Kasaï oriental ou de l'espace Grand Kasaï en commençant par le Kasaï oriental demain. Et nous dit-on qu'il sera à Mbujimaï sur la place Kachala Bonzola où il va s'adresser à la population de cette partie de la République démocratique du Congo. Il faut dire quand même que cette population l'attend depuis son élection en 2018. Les dernières images que nous avons de Mbujimaï pendant la période de la campagne présidentielle de 2018 sont de plus spectaculaires dans l'histoire de ce pays. On a vu un déferlement de toute la population pour accueillir celui qui n'était que candidat à l'époque, numéro 20 à l'élection présidentielle de 2018. J'y étais, je suis donc mieux placé pour décrire ce que nous avons vu, senti et ressenti.
et on sent la même mobilisation pendant que cette population va recevoir l'un de ses dignes-fils, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui rentre à Mbujimayi cette fois en qualité de président de la République démocratique du Congo, le cinquième de l'histoire de ce pays. Et donc toutes les communes de la ville de Mbujimayi, la Mouya, la commune de Bipemba, la commune, quelques communes que je connais sur les quatre d'ailleurs, se mobilisent et surtout et les clous de cette mobilisation sera la place Kachala Bonzola où il y a un stade du même nom. Et c'est là que le président de la République va devoir s'exprimer devant cette population du Kasaï qui l'attend en principe ce vendredi que le président de la République arrive au centre du pays. C'est une itinérance qu'il va inaugurer dans l'espace Grand Kasaï, donc qui comprend aujourd'hui toutes les provinces du Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental, Lomami, et Sankuru et Kasaï. Mais la première étape sera bel et bien la ville de Mbujimayi et nous pensons d'Ichala que la RTNC, la chaîne de grands événements, sera présente pour vous faire vivre cette visite présidentielle dans la ville de Mbujimayi, capitale mondiale du diamant. Merci Giscard Koussema, c'est certain. Belide Mbunga, actuel directeur général intérimaire de la radio-télévision nationale congolaise, n'a pas d'autre choix que de se battre comme un diable dans un bénitier pour trouver la possibilité de faire vivre aux Congolais cette adresse du président de la République qui se fera cette fois à Mbujimayi devant la population de cette partie-là du pays qui certainement va avoir un rendez-vous historique avec le président de la République sur la place Kachala Bonzola. Et certainement que dans les communes de cette ville-là, la commune de la Mouya, on en a pas la commune de Bipemba, la commune de Djibindi, la commune de Djoulou, ce sont des communes de cette ville, les populations de cette partie-là, mais aussi les populations de territoires environnants qui pourront certainement se déplacer pour venir voir celui qui était candidat en 2018 et devenu président de la République depuis et qui a rendez-vous avec eux. Demain vendredi sur la place Kachala Bonzola. Ce sera fait et je crois que la radio-télévision nationale congolaise vous permettra de suivre en direct cette cérémonie ou ce meeting. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui pour l'instant va venir dans cette salle pour la clôture de cette session, la huitième du genre, de la conférence des gouverneurs. On l'attend depuis quelques instants déjà. Les services du protocole s'affairent. Apparemment, le président de la République est à quelques instants, à quelques minutes de ces lieux historiques, la salle de congrès du Palais de la Nation. C'est ici que la cérémonie de l'indépendance a eu lieu. Vous en souvenez très bien. Les deux discours prévus à l'époque ont eu lieu et un troisième a également eu lieu contre toute attente et c'était le plus celui qui révélait plus des vérités qui a brutalisé la cérémonie. Mais en tout cas, il fallait bien que ce discours d'Emery Patrice Lumumba soit prononcé en ce moment-là. C'est dans cette salle donc qui est chargée d'histoire de cette République que nous nous retrouvons pour dans le cadre de cette session, la huitième du genre de la conférence des gouverneurs. Là, ce sont les chefs des corps qui viennent de faire leur entrée dans cette salle. Le président de la Cour constitutionnelle, le premier ministre chef du gouvernement, mais le président du Sénat qui est passé avant, le président Modeste Bati Lukwebo et Jean-Michel Samalukonde qui salue quelques personnalités ici présentes. Voilà donc, ceci signifie que le président de la République va dans quelques instants faire son entrée dans cette salle Giscard Koussema.
Effectivement, l'entrée dans cette salle des corps constitués montre que le président de la République est la dernière personnalité qui est attendue ici. Ainsi donc, on va entrer dans la deuxième partie de ces travaux de la 8e session de la conférence des gouverneurs. Alors, pour les chiffres, Edi Tchala, la République démocratique du Congo, c'est 2 345 410 km². Et généralement, on oublie les 410 km², et pourtant, il y a au monde au moins 10 pays qui ont moins de 410 km² de superficie. Et donc, nos élèves qui nous suivent en ce moment doivent apprendre à donner la superficie exacte de la République démocratique du Congo. Il s'agit bel et bien de 2 345 410 km². On a tendance à s'arrêter à 345 000 km², alors que les 410 000 km², c'est l'étendue d'au moins 10 pays. Il y a 10 petits pays au monde qui ont une superficie moindre que le 410 qu'on a tendance à oublier. Avec cette étendue, la RDC est le deuxième pays le plus vaste en Afrique, après l'Algérie. Mais il est 11e au monde, il est 11e pays le plus vaste au monde avec cette superficie de 2 345 410 km². En ce qui concerne sa population, aujourd'hui les évaluations tournent autour de 90 millions de Congolais d'âmes. Et la RDC est répartie en 26 provinces et puis 145 territoire. En ce qui concerne les provinces, nous le disions hier, la province la plus vaste reste la province de la Tchopo, avec comme chef-lieu Kisangani, c'est 199 567 km². Et la plus petite des provinces, il y en a en réalité deux en termes de superficie, c'est la ville de Kinshasa avec 9 965 km² et le Kasaï oriental qui a comme chef le Mbujimayi avec 9 481 km² pratiquement comme la ville de Kinshasa. Mais en termes de densité, la RDC a une densité, c'est-à-dire la concentration de la population par km², la densité est l'une des très faible au monde, ça signifie qu'il y a des espaces vides énormes à travers le pays. C'est 45 habitants seulement par km², c'est l'une des densités les plus faibles au monde, ce qui fait qu'on peut parcourir de dizaines, de centaines de kilomètres comme le plateau de Bateke sans y voir un village, des habitations. Et la grande ville du pays reste Kinshasa, la capitale, avec aujourd'hui plus ou moins 20 millions de personnes. C'est le prochain recensement qui nous donnera des chiffres exacts. Voilà ce que l'on peut dire de nos provinces. L'organisation administrative de la RDC a connu trois moments importants au moment de les premières années qui ont suivi la colonisation. La République démocratique du Congo avait 6 provinces. On peut se rappeler ici, c'est l'Équateur avec comme chef-lieu Coquillatville qui est Mbandaka aujourd'hui. La deuxième province était le Kasaï avec Louloubourg devenu Kananga comme chef-lieu. Le Katanga avec Elisabethville, Lubumbashi actuellement comme chef-lieu. Le Kivu avait comme capitale Consternansville, c'est la ville de Bukavu, hein, et le Kivu qui comprend donc le nord, le sud Kivu et le Maniema. La province de Léopoldville, avec Léopoldville devenue Kinshasa, était la cinquième province. Léopoldville qui comprenait l'actuelle ville de Kinshasa, les Congo central et les Grands Bandundu. Et puis la province orientale qui avait Stanleyville comme capitale, donc Kisangani, c'était cette cartographie qui a évolué à l'époque, je crois, du maréchal Mobutu pour passer des 6 à 11 provinces qui sont le Maniema qui est issu du démembrement donc du Grand Kivu avec Kindu comme chef-lieu,
la Mongala, non, nous parlons de 11 provinces, s'il vous plaît. Les 11 provinces qui sont le Bas-Congo, le Bandundu, l'Équateur, province orientale, Nord Kivu, Sud Kivu, et Maniema, et puis le Katanga, et puis Kasaï oriental et Kasaï occidental. Voilà, j'étais un bon élève de géographie. Voilà, donc ce sont les 11 provinces. Et puis, à la suite, à la faveur du dernier démembrement, sous le quatrième président, Joseph Kabila, on est passé de 11 à 26 provinces. Ce qui fait que toutes les provinces ne s'évalent pas. Il y en a qui sont un peu plus nantis que d'autres. Il y en a qui ont bénéficié des infrastructures du deuxième comme du premier démembrement. Hein, on peut citer ici la ville de Kinshasa, on peut citer le Congo central, on peut citer Bukavu, mais il y a d'autres qui se recherchent encore, qui se reconstruisent, comme la Chuapa, comme le Bazuele, Otuele, un peu comme le Kwango, Maindombe. Il y a des provinces comme ça, comme Kasaï, la Lomami, comme le Kasaï. Qui se recherche encore. Et voilà pourquoi le président de la République voudrait justement booster le développement de ces provinces avec une certaine autonomie d'organisation. Mais aujourd'hui, il y a un frein. Et le frein reste la coexistence conflictuelle entre les assemblées provinciales et les gouvernements provinciaux. Merci Giscard Koussema pour ces informations, j'allais dire. J'étais donc en train de vous dire que les chefs de cœur conscients sont en train dans la salle, le président du Sénat, on l'a vu, le Premier ministre, le chef d'état-major général, le commissaire général de la police nationale congolaise. Donc le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, la seule personnalité qui est attendue pour le début de cette cérémonie de clôture de la 8e session de la conférence des gouverneurs. Et cette conférence qui a permis aux gouverneurs de donner leur desiderata au pouvoir public, au gouvernement, mais aussi au président de la République. On a dit qu'il y avait parmi ces gouverneurs certains qui travaillaient dans un environnement un peu moins hostile. On a cité le cas du Haut-Katanga où plusieurs projets ont été réalisés par Jacques Kiaboula Katwe qui... On nous annonce par le protocole que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, vient donc de faire son entrée dans cette salle et vous l'avez sur vos petits écrans. Félix-Antoine Tshisekedi vient donc pour la cérémonie de clôture de cette 8e session de la conférence de gouverneurs, les chefs de l'État, qui a ouvert ses travaux, qui a donné une orientation, qui a une vision sur le développement des provinces depuis la base, le développement du pays depuis la base. Il arrive donc pour clôturer cette session qui certainement a enrichi les gouverneurs et les présidents des assemblées provinciales qui prennent part de plusieurs autres éléments de gouvernance pour assurer la sérénité et la tranquillité dans leurs provinces respectives. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, président de la conférence des gouverneurs, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Ce jeudi 23 décembre 2021 interviendra si peu la clôture de la conférence des gouverneurs de province tenue à Kinshasa au Palais de la Nation. La cérémonie prévoit la lecture de la motion de soutien des gouverneurs des provinces au chef de l'État par M. Pancras Bongo, gouverneur de la province de Chuapa, porte-parole. La lecture du compte-rendu public par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, rapporteur de la conférence. Le mot du Premier ministre, membre chef du gouvernement, et vice-président de la conférence. Et enfin, interviendra
le mot de clôture des travaux de la conférence par Votre Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et président de la conférence. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés, le protocole sollicite votre autorisation pour inviter Monsieur Pancras Bongo, gouverneur de la province de Choapa, porte-parole pour la lecture de la motion de soutien des gouverneurs au chef de l'État. C'est comme la tradition l'exige, à chaque conférence de gouverneurs, il y a une motion de soutien au président de la République, parce qu'il faut vous rappeler que les gouverneurs sont les dignes représentants du président de la République dans leurs provinces respectives. Et cette fois, c'est Pancras Bongo Nkoy qui va donc lire cette motion, lui qui est le porte-parole de ses collègues gouverneurs ici représentés. Ils sont 26 à l'occasion de cette 8e session de la conférence des gouverneurs. Nous allons donc suivre cette motion de soutien. Motion de soutien à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à la 8e conférence des gouverneurs des provinces. Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, les collectifs des gouverneurs des provinces réunis dans ces cadres voudrait remercier votre très haute autorité pour avoir daigné convoquer cette 8e conférence des gouverneurs de province conformément aux dispositions pertinentes et combinées des articles 200 de la Constitution de la République démocratique du Congo et 10 de la loi organique numéro 08-015 du 7 octobre 2008 portant modalité d'organisation de la conférence des gouverneurs de province. Les gouverneurs des provinces, en leur qualité de représentants du chef de l'État en province, tiennent à vous adresser la présente motion de soutien afin de vous rassurer que vos instructions ont toujours été exécutées et relayées par chacun de nous dans nos entités respectives. En ce sens, le collectif des gouverneurs des provinces soutient la consolidation de l'effort de cohésion nationale et de l'élan de développement impulsé par votre très haute autorité qui définit la vision de la refondation, de la renaissance et de la reconstruction ainsi que l'émergence du pays. En outre, les collectifs des gouverneurs des provinces s'engagent dans le cadre de la décentralisation à travailler en toute harmonie avec le pouvoir central et adhère à votre vision pour la mise en œuvre du programme de développement de la République tel que défini par votre très haute autorité. Les collectifs des gouverneurs des provinces, convaincus que depuis le début de votre quinquennat, des efforts considérables ont été déployés par votre très haute autorité dans le processus de remise en ordre, d'une part, et dans celui de l'instauration de l'état de droit, d'autre part. Conscient que plusieurs actions à impact visible ont caractérisé votre leadership depuis le début de la législature en cours, au nombre desquelles figure notamment votre engagement pour la restauration de la paix à l'est du pays, votre engagement dans la lutte contre l'impunité et la promotion d'une justice libre et indépendante, votre engagement pour l'amélioration du climat des affaires et la redynamisation de la coopération au développement, votre engagement pour la promotion du genre dans la gouvernance de l'État, votre engagement pour le renforcement des mécanismes de contrôle des finances publiques et sans corollaire, la baisse systématique de la gabegie financière et du coulage des recettes publiques, votre engagement pour la mise en œuvre du programme de développement à la base des 145 territoires qui va sûrement booster le développement intégral de notre pays, votre engagement pour la renaissance africaine en votre qualité de président en exercice de l'Union africaine. De ce qui précède, les collectifs des gouverneurs des provinces
conscient des difficultés actuelles et des défis à relever, a jugé opportun de vous réitérer tout son soutien aujourd'hui et au-delà de 2023 pour la poursuite et l'accomplissement de votre vision éclairée, mieux rendue par les maîtres mots « Le peuple d'abord ». Pour terminer, le collectif des gouverneurs des provinces, soucié de la stabilité des institutions provinciales, sollicite de votre très haute autorité une instruction ordonnant la mise sur pied d'un moratoire, suspendant l'usage des motions de défiance et de censure par les assemblées provinciales pour les restants de l'actuelle législature. Fait à Kinshasa le 22 décembre 2021. Pour les collectifs des gouverneurs des provinces, Ngobila Mbaka pour la ville de Kinshasa, excusez, Bongo Koy Pankas, votre serviteur pour la province de la Tchouapa, Nzege Koloke Isato pour la province du Nord-Bangui, collègue Nzege, vous pouvez vous lever, Christophe Ebaseyan Nanga pour la province du Yotouélé, Boloko Bolumbu Bobo Diedonné pour la province de l'Équateur, Kabatusila Mbuyaba pour la province du Kasaï central, Willy Ichundala pour la province du Kwilu, Teyo Mbwadize Kasi pour la province du Sud Kivu, Jacques Kiaboula Katwe pour la province du Haut-Katanga, Jean-Claude Mambeze Bey Benze pour la province du Sud-Ubangi, Madame Masuka Saini Fifi pour la province du Lualaba, Jackson Mbombaka Bokoso pour la province du Maïndombe, le général Ndima Kogba Constant pour la province du Nord-Kivu, Justin Luemba Makoso pour la province du Congo central, le général Alongaboni Benjamin pour la province de l'Ituri, Serge Mongoul Madoubola pour la province de la Mongala, Afani Drissa Mangala pour la province du Maniema, Paul Chaibi Lonokoto pour la province du Sankourou, Adibou Sakapela Maurice pour la province de la Tchopo, Kabamba Ilunga Nabatine Anine pour la province du Yolomami, Madame Badouli Bagosarit pour la province du Bazouélé, et les trois collègues Pierre Mekoti Diedonné du Kassai, Jeannette Moussouamba du Kassai Oriental, Moulumba Edouard pour la province de l'Omami. Ils sont excusés, ils sont en route pour chez eux afin de préparer un événement. Je vous remercie, Monsieur le Président de la République. Voilà donc la motion de soutien au Président de la République, sa vision qui doit être exécutée en province sans faille par ses élites. Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Décentralisation et Affaires coutumières, pour la lecture du compte-rendu des travaux de la conférence. Techniquement, substantiellement, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, va donner le compte-rendu des activités qui ont eu lieu depuis hier jusqu'aujourd'hui dans le cadre de cette 8e session de la conférence de gouverneurs qui se tient à Kinshasa. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, honorable président du Sénat, honorable président de l'Assemblée nationale, me semble-t-il ici représenté,
Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, Président de la Cour constitutionnelle. Monsieur le Commissaire, Monsieur le Commissaire général de la Police nationale congolaise, Monsieur le chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo, Excellences, membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, chers invités, à vos rangs et titres respectifs. Conformément aux dispositions de l'article 200 de la Constitution et de l'article 10 de la loi numéro 08/15 du 7 octobre 2008 portant organisation et fonctionnement de la conférence des gouverneurs de province, il vient de se tenir à Kinshasa du 22 au 23 décembre 2021. La 8e session de la conférence des gouverneurs de province sous la présidence de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et président de la conférence qu'il a convoquée par son ordonnance numéro 21/099 du 17 décembre 2021 sous le thème La stabilité dans la gouvernance des provinces, gage de la réussite du programme de développement local de 145 territoires et du programme d'urgence intégré de développement communautaire. Ont pris part à cette conférence Monsieur, Son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la conférence, Son Excellence Jean-Michel Samalukonde, Premier ministre, chef du gouvernement et vice-président de la conférence, Son Excellence Asello Okitoa Koyi Daniel, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Leurs Excellences, les gouverneurs de province, je nous épargne de revenir sur leurs noms parce qu'ils viennent d'être ici cités et se sont même mis debout pour se présenter. Ont été invités les membres du gouvernement et personnalités ci-après. Son Excellence Liaou Eboua Jean-Pierre, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation de services publics. Son Excellence Mbodji Sangara Aimé, ministre d'État, ministre du Budget. Son Excellence Mwando Simba Christian, ministre d'État, ministre du Plan. Son Excellence Gisaro Mouvouni Alexis, ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics. Son Excellence Mwabilou Mbayou Mukala Pius, ministre du Développement Rural. Son Excellence Kazadi Kadima Nzungi Nicolas, ministre des Finances. Son Excellence Mungani Mbanda Jean-Jacques, ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Son Excellence Manuanina Kyumba Nana, ministre près le Président de la République. Son Excellence Paluku Kaungia Julien, ministre de l'Industrie. Son Excellence Okende Chérubin, ministre des Transports et Voies de Communication. Son Excellence Ngwala Malemba Philippe, conseiller spécial du chef de l'État
et coordonnateur de la cellule d'appui au programme d'urgence intégré du développement communautaire. Monsieur Makolo Jibikilai, coordonnateur de la cellule technique d'appui à la décentralisation, toujours à la présidence de la République. Monsieur Moulossa Kachama Nkoy, directeur général de la Caisse nationale de péréquation. Madame Mumbenga Sandrine, coordonnatrice de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité. Ont été aussi invités les présidents des assemblées provinciales, honorable Mpoy Godé pour la ville de Kinshasa, Dakonasala Augustine Bazouele, Molebo Mobulu Marie-Josée, Équateur, Kate Bengoy Michel, au Katanga, Kassila Akuma Jean-Faustin, au Touele, Yumba Kalenga Mushimbi, au Lomami, Banga Chombe Simon, Simeon, Ituri, Mushitu Ngenge Kasai, Mutu Woma Jérôme, Kasai Central, Kabongo Malebongo, Kasai Oriental, Mimi Mbumba Samuel, Congo Central, Mulenga Upala Wenel, Kwango, Makongo Kangatima Serge, Kwilu, Kabeya Dial Bertos, Lumami, Makombo Ovilosh Maindombe, Mwimbi Mwanza, Lualaba, Kitembo Gertrude Maniema, Ebale Nguma Rebecca Mongala, Abichuti Benishanga Robert Nord Kivu, Gwalimo Mbendwa Simon Nord Ubangi, Ulamba Odimba Benoit Sankuru, Luamira Barumana Zakari, Sud Kivu, De Galasse Bofio, John, Sud Ubangi, Nkulu Nemba Virginie, Tanganyika, Bokungu Isongimbi Chopo, Matela Longomo Dieudonné. Avant l'adresse de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef d'État, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Monsieur Jean Tiningobila Mbaka, a adressé un mot de bienvenue à tous les conférenciers. Les gouverneurs de province en ont profité pour adresser au chef de l'État leur mémorandum intitulé « L'instabilité dans la gouvernance des provinces » frein au développement communautaire des 145 territoires, esquisse des solutions. Après le discours d'orientation de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et président de la conférence, les points suivants ont été retenus à l'ordre du jour de la conférence. Évaluation de l'exécution des recommandations de la 7e session de la conférence des gouverneurs des provinces tenues en décembre 2020 à Kinshasa. 2. État des lieux des provinces. 3. Communication des membres du gouvernement et personnalités invitées. 4. Avis de la conférence sur la politique du gouvernement. Travaux en commission et adoption des recommandations. 5. Compte rendu public. 1. Abordant les points relatifs à l'évaluation des recommandations de la 7e session, les conférenciers ont relevé que sur 116 recommandations formulées par la 7e conférence, 10 recommandations ont été totalement exécutées, soit 9%. 48 recommandations ont été partiellement exécutées, soit 41%. 58 recommandations n'ont pas connu un début d'exécution, soit 50%. Ils ont recommandé au gouvernement central et au gouvernement
provinciaux de fournir des efforts pour appliquer toutes les recommandations prises lors des précédentes sessions. Pour ce qui concerne les états des lieux de province, la conférence a suivi avec intérêt et à tour de rôle les états des lieux de province présentés par différents gouverneurs de province et a relevé pour l'essentiel que la paix et la sécurité règnent sur toute l'étendue du territoire en dehors des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri soumises à l'état de siège depuis mai 2021, sans oublier la province du Sud Kivu. À ce sujet, les conférenciers ont exprimé leur soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo, à la police nationale congolaise et à tous les services de sécurité pour le travail remarquable effectué sur le terrain à ce jour. Le rapport des différents gouverneurs de province ont relevé aussi que pour l'essentiel, sur les plans politiques, sécuritaires, administratifs et judiciaires, les conflits récurrents entre les institutions politiques provinciales, créant ainsi l'instabilité dans la gouvernance des provinces, les conflits de limites administratives entre provinces et à l'intérieur de celles-ci, l'activisme des groupes armés locaux et étrangers dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Maniema, de la Tchopo, du Tanganyika et du Haut-Ouélé. Les non-encadrements des démobilisés et des rendus dans les Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Kasaï Central et le Maniema. L'activisme des éléments de la LRA en provenance de la Centrafrique et rebelles sud-soudanais en Ituri et au Haut-Ouélé. L'infiltration des éléments de groupes armés en provenance de provinces en état de siège vers les provinces voisines Haut-Ouélé, Tchopo, Maniema et Sud Ubangi. L'incursion de l'armée sud-soudanaise dans la province de l'Ituri et des groupes rebelles centrafricains au nord Ubangi, au sud Ubangi et au Bas-Ouélé, suite principalement à la présence massive des réfugiés sud-soudanais et centrafricains près de nos frontières. La porosité des frontières dans la province du Congo central, Kasaï, Équateur, Haut-Ouélé, Bas-Ouélé, Sud-Ubangi, Kwango et Ituri. L'absence des opérations de recensement des agents de l'État dans les différentes provinces. Sur les plans sociaux, économiques et financiers, l'irrégularité de la quote-part de recettes rétrocédées à la province, versement irrégulier des fonds d'investissement des provinces, faible pouvoir d'achat de la population, faible niveau de production agricole et difficulté d'évacuation des produits agricoles, non remboursement et non prise en compte des fonds engagés par les provinces pour la réhabilitation des routes d'intérêt national, non opérationnalité de la Caisse nationale de péréquation, inexistence des usines de transformation des produits agricoles dans plusieurs provinces, absence de la pêche industrielle et semi-industrielle, manque d'encadrement de pêcheurs artisanaux et non-respect de la réglementation en la matière. Sur les plans des infrastructures, reconstruction et développement, vétusté et ou abandon des unités de production étatiques et para-étatiques, délabrement des infrastructures routières d'intérêt national, provincial et local, ainsi que les routes des dessertes agricoles. Absence des usines de production, principalement dans les nouvelles provinces. Absence des usines ou industries de transformation des produits miniers.
insuffisance des infrastructures de production de l'énergie électrique, insuffisance des infrastructures sportives de qualité, insuffisance ou absence des bâtiments administratifs dans plusieurs provinces, existence de plusieurs têtes d'érosion et des inondations dans presque toutes les provinces. Dans le chapitre des communications, les participants ont suivi d'importantes communications des membres du gouvernement et des personnalités invitées. Pour l'essentiel, l'on retiendra qu'aucun développement de la République démocratique du Congo n'est envisageable sans le développement des provinces. Et celui-ci n'est concevable sans une collaboration sincère entre les deux institutions politiques provinciales appelées à mettre en œuvre les compétences concurrentes et exclusives des provinces telles que contenues dans la Constitution de la République. Sous réserve des dispositions constitutionnelles relatives à l'exercice du contrôle parlementaire reconnu aux députés provinciaux, il y a lieu, disent les gouverneurs de province, de favoriser la stabilité de la fonction du gouverneur en utilisant la motion de censure comme arme utile, après ultime, après épuisement des autres mécanismes prévus par la loi. En outre, les différents intervenants ont fourni, chacun dans son domaine, des éléments susceptibles d'aider les provinces à assurer, en leur sein, une bonne gouvernance dans l'intérêt de leurs populations respectives. Aussi, de stratégies utiles sur les programmes de développement des 145 territoires et les programmes d'urgence intégrés de développement communautaire ont-elles été communiquées aux conférenciers? Il y a lieu, Excellences, Monsieur le Président de la République, de saluer les deux programmes complémentaires qui sont tous des initiatives de votre Excellence. D'une part, le programme de développement local des 145 territoires visant essentiellement à combler les déficits des infrastructures routières au niveau des territoires et d'autre part, les programmes d'urgence intégrés de développement communautaire qui visent à doter les entités territoriales décentralisées des équipements collectifs produits ainsi qu'à promouvoir de chaînes de valeur au sein de filières porteuses de croissance pour la création d'emplois massifs décents. Les gouverneurs de province se sont engagés dans la mise en œuvre de ces deux programmes qui contribueront à la stabilité de la gouvernance dans leurs provinces respectives. Les détails de ces différentes communications seront repris dans les rapports finaux et les actes de la conférence. S'agissant de matières relevant de la politique du gouvernement, les conférenciers ont formulé les recommandations dont les principales sont sur les plans politiques, administratifs, culturels, juridiques et sécuritaires. Convoquer régulièrement la conférence des gouverneurs. Décréter un moratoire suspendant l'application des motions de censure contre les gouverneurs pour une période de 2 ans. Initier des réformes constitutionnelles et législatives susceptibles de garantir la stabilité des institutions politiques provinciales, notamment en ce qui concerne les statuts du gouverneur, l'usage de moyens de contrôle parlementaire préalables à la mise en œuvre de la responsabilité des exécutifs provinciaux par voie de motion. Finaliser les transferts effectifs des compétences exclusives et de ressources en matière d'agriculture, santé, éducation et développement rural, en laissant au niveau central la coordination
des politiques nationales et l'édiction des normes. Préparer et nommer les animateurs de la petite territoriale. Renforcer les capacités des membres des institutions provinciales. Assurer une affectation effective et complète de magistrats en province. Renforcer les rôles d'encadrement et de contrôle de l'inspection générale de la territoriale dans l'accompagnement du développement des 145 territoires de la République. Sur les plans social, assurer les paiements des émoluments des gouverneurs et vice-gouverneurs de province, à l'instar des autres élus, ainsi que les salaires des membres de leur gouvernement avec effet rétroactif 31 mois conformément à la loi. Assurer les versements réguliers des fonds d'investissement. Opérationnaliser la Caisse nationale de péréquation afin d'assurer l'équilibre dans les processus de développement des provinces. Assurer les remboursements et la prise en compte des fonds engagés par la province pour la réhabilitation de routes à intérêt national. Rendre transparente la gestion des fonds alloués à l'OVD, à l'Office de route, l'OVDA et au FONER. Rétrocéder aux provinces des fonds de reboisement perçus et gérés par les fonds forestiers nationaux. Rendre effectif et régulier la rétrocession et les frais de fonctionnement à la province à travers un ordre permanent actualisé à la Banque centrale. Sur les plans de la reconstruction et des infrastructures, réhabiliter les unités de production et de transformation, construire et réhabiliter les infrastructures aéroportuaires, portuaires et ferroviaires dans toutes les provinces, transférer directement dans les comptes des provinces les fonds destinés à la réhabilitation de routes de dessertes agricoles et non dans les comptes de l'OVDA. Réhabiliter et ou construire des unités de production et de transformation dans les provinces. Créer les entreprises agro-pastorales dans les provinces. Réhabiliter les centres semenciers, les centres d'adaptation du bétail et les centres d'alévinage. Construire et développer les nouvelles sources d'énergie électrique ainsi que les stations de production et de distribution d'eau potable. Accélérer ou parachever les travaux de construction des centres hydroélectriques en cours, Katobola, Okwilu et Katende au Kassai central, on les cite. Construire les logements sociaux dans toutes les provinces. Construire ou réhabiliter les bâtiments administratifs des secteurs, chefferies, territoires, mairies, services déconcentrés et chefs-lieux de province. Construire, réhabiliter les usines et industries de transformation des produits miniers. Organiser l'exploitation du pétrole, notamment dans les provinces de Tanganyika, Ituri, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Nord-Ubangi, Kwangu, Kwilu, Maïndombe et Tchouapa. Appuyer la SNCC pour qu'elle remplisse sa mission. Réhabiliter 50 km de voiries urbaines dans chaque province. Élaborer les plans de contingence des luttes contre les catastrophes naturelles. Élaborer les plans directeurs d'aménagement national et provincial qui intégrera les notions de gestion de l'environnement dans les cursus depuis l'enseignement de base. Asphalter 200 km de routes nationales dans chaque province. Toutes les recommandations formulées dans les différentes commissions seront reprises dans les actes de la conférence. La Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État,
Les conférenciers ont décidé que la prochaine conférence se tienne à Mbandaka, dans la province de l'Équateur, au courant du premier semestre de l'année 2022. Pour terminer, les conférenciers ont remercié et félicitent Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour la tenue de la présente conférence, laquelle traduit, une fois de plus, la volonté de respecter la Constitution malgré son agenda très chargé de cette fin d'année. Ils ont renouvelé la nécessité de tenir au moins deux fois l'an la conférence des gouverneurs des provinces pour une meilleure concertation et harmonisation entre les deux niveaux de pouvoir politique du pays tel que voulu par la Constitution. Voilà, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Messieurs l'honorable président, les honorables présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, distingués invités, l'essentiel du compte rendu public qui a été adopté par les conférenciers à l'occasion de la présente conférence des gouverneurs de province, je vous remercie. Il ne reste plus que l'adresse du président de la République pour la clôture de cette huitième session de la conférence des gouverneurs. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement et vice-président de la conférence, pour son mot. C'est donc le Premier ministre, chef du gouvernement, Samalou Koundé Jean-Michel, qui va faire un discours de Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et président de la conférence des gouverneurs de province, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorable président du Sénat, honorable président de l'Assemblée nationale ici représentée, monsieur le président de la Cour constitutionnelle, monsieur le chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo, monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise,